C'est Unune et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis parti en vacances. Mais bon, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, qui me suivent sur Snapchat, ils voient, enfin ils ont vu, je pense qu'ils ont vu que je suis parti en vacances pour 2 semaines. Donc voilà, je suis parti en vacances pour 2 semaines pour ceux qui se demandent un peu où je suis et où est-ce que je suis parti. On a une petite vue derrière sur le golf. Donc oui, je suis parti en vacances à bon, en fait on fait un peu tout, on va dire. On a Sainte-Maxime, on a Saint-Tropez, on a Fréjus, on a Saint-Raphaël, on est un peu partout, on voyage un peu partout, on a tel, etc. Et aujourd'hui les gars, je voulais vous présenter War Robot qui sponsorise cette vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas War Robot, c'est un jeu de robot multijoueur qui se joue 6 contre 6. Donc voilà, comme je t'ai dit, War Robot c'est un jeu qui se joue 6 contre 6. D'ailleurs c'est un jeu auquel je joue depuis la dernière fois. Vous avez déjà vu, c'est pas la première fois que je vous présente le jeu pour ceux qui ont déjà vu. Et en plus de ça les gars, je crois que c'est le seul jeu où j'ai battu la salle. Alors War Robot c'est un jeu mobile disponible sur iOS et Android. Le lien se trouve dans la description encore une fois. Donc n'hésitez pas à télécharger le jeu en masse les gars pour soutenir ma chaîne. Et en plus de ça, oui, grâce à mon lien, vous avez un petit bonus de bienvenue. Voilà, c'est un petit bonus de bienvenue qui vous donne accès à un robot Goa avec un skin unique sur lequel on peut mettre plein d'armes, multitude d'armes, franchement c'est vraiment pas mal. 100 pièces d'or et 400 000 pièces d'argent. Si vous voulez jouer avec moi, c'est assez simple. Vous m'ajoutez, mon pseudo c'est Unune-54. Donc voilà, Unune-54 c'est mon pseudo pour jouer avec moi. En plus, ce qui est bien, c'est que vraiment on a pas mal de modes de jeu, on a pas mal de cartes, on a plein de robots, on a comme 50 types de robots et d'armes. Donc selon votre style, vous adaptez votre robot et ça qui est pas mal. Et pour contrôler tous les robots les gars, vous avez des pilotes. On a quand même plus de 20 pilotes différents. En fait chaque pilote il a une capacité différente. Donc voilà, c'est en gros selon votre style de jeu, comment vous voulez jouer, comment vous voulez prendre le pilote, et bah vous vous adaptez. Et ça qui est bien, on peut s'adapter. Bien évidemment il y a des mises à jour assez régulièrement qui contiennent beaucoup de nouveautés, comme par exemple des nouveaux robots, des nouvelles armes, des nouvelles cartes, etc. Donc voilà, plein de nouveautés, plein de trucs, et tout le monde peut y jouer car le jeu quand même a été téléchargé des millions de fois. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de télécharger le jeu pour soutenir ma chaîne qui se trouve en description. N'hésitez pas, vous avez des pièces gratuites, vous avez pas mal de choses gratuites, donc n'hésitez pas les gars, dans la description. Et on se laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que vous allez kiffer ce petit vlog. Il y en a d'autres qui vont arriver et moi je vous dis au bye, au bye, au bye. Bon voilà les gars, on est actuellement arrêté à une petite station. On est vers où là à peu près? On est vers où? Toi qui connais, toi qui es du sud. On est à Aix-en-Provence. On monte pas ta tête toi j'imagine? Non, c'est bon. On est avec Dinas. Voilà, pour ceux qui l'ont reconnu, Dinas qui fait les activités avec nous souvent. On est avec lui et on est avec, attendez, je vais vous montrer. On est avec Bastien, voilà, qui est en tenue de voyage, en tenue prêt à aller la direction. Direction la direction, j'ai envie de dire. Alors, voilà. Direction la direction, je voulais pas vous filmer tout ce qui se passait avant parce que c'était assez chiant, il y avait pas mal de routes, j'étais fatigué. Donc je me suis dit, je vais m'arrêter à une station, je vais filmer. On a encore 1h30 de route, donc on se retrouve directement là-bas. Je vais faire un petit timelapse sur la route et ciao ciao. Bon du coup, comme je vous ai dit, on est actuellement sur la route, on est parti de la station. Voilà, tu peux montrer. Et du coup, bah là on va direction tout simplement là où on va. On ne vous dit pas où on va, mais on en a pour 2 semaines. C'est pour ça en fait j'ai pris mon setup. Regardez derrière comment il est serré le pauvre. 2 écrans, une tour dans le coffre. Le mec il a pris son bureau en fait. Il a ramené son bureau. Ça, des petits messages. J'ai en fait mon bureau. Donc j'ai tout pris en fait. J'ai pris mon setup pour me poser là-bas parce que je vais faire les vidéos GTA aussi là-bas. Voilà, parce que voilà, vous allez voir du GTA, vous allez voir un peu de vlog aussi. Je sais pas si je vous ferai des vidéos vlog, mais en tout cas, il y en aura pas mal qui vont arriver au cours d'août. Donc n'hésitez pas à checker. Et puis voilà, tu peux filmer la route. Tu peux filmer la route. Ah, ça, 530, on va monter là. On va monter un petit peu là. Allez, on bombarde. Au passage, parce que je sais qu'ils vont dire ouais, pourquoi j'ai pas la BM. Tout simplement, je l'ai pas prise parce que enfin, c'est un peu serré. C'est vrai que c'est petit. Et le coffre est petit, donc tu peux pas mettre ce que tu veux quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé prendre ma BM dans le sud, c'est avec la plage, des capotes avec tout, ça aurait été stylé. Mais malheureusement, nous ne sommes pas allés manger comme dirait l'autre derrière, Bad Fun. Voilà. Si tu veux faire. Ciao, ciao! Donc voilà les gars, on est arrivé à la destination comme vous pouvez le voir derrière. Enfin, je pense qu'il le voit. Caméraman, tu peux parler, si t'as envie de parler, n'hésite pas à parler pendant la vidéo. C'est bon, nickel. On va vous montrer quand même la voiture qu'on a pris. On a pris une petite Ford, voilà. Bah, assez agréable à la conduite. J'ai conduit 6 heures, parce qu'il y avait un autre conducteur avec moi. J'ai conduit 6 heures et franchement, agréable. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Mais le plus important, je pense que tout le monde peut voir, c'est la maison. Et venez avec moi. Come to me, come avec moi et on va vous montrer les gars la baraque.
était magnifique, honnêtement. En plus, elle a été rénovée, ils nous ont dit, il y a 2 mois, je crois même pas. C'est un ça, mois, ouais. Un mois. Un mois. Et on est, on est les premiers. On est le premier. On va vous montrer, c'est parti. Regardez. J'appuie ici. Tu peux montrer, là. Tu peux zoomer. Wow. Attention. Venez dans ma demeure. Bon, là, on n'a pas garé la voiture dans le truc, mais on peut la garer. Là, on s'est mis là parce que voilà, fallait qu'on prenne les clés, etc. On avait... Regardez, regardez. Magnifique maison avec vue sur le golf. Tu peux montrer le golf là-bas, on montrera de la villa. Voilà, donc comme je l'ai dit, on est là pour 2 semaines, donc autant dire qu'on s'est installé. Et d'ailleurs, j'ai mon petit setup, je vais vous montrer après comment je vais installer mon setup, je sais pas encore où je vais le mettre. Donc là, on arrive devant la porte et on a une vue magnifique sur le golf. Juste incroyable. Bon, malheureusement, on n'a pas de vue sur la mer, étant donné qu'en fait, il y a les montagnes. Donc forcément, les montagnes, malheureusement, bah, on peut pas voir la mer, quoi. Donc du coup, on n'a pas de vue sur mer. Alors, viens-y. Alors, nous avons ici déjà la première pièce, tu peux montrer. Donc c'est la salle de bain. Voilà, salle de bain. Je prends la caméra, salle de bain normale. Coucou, c'est moi. Bonsoir. Voilà. La salle de bain. Hop. Ici, nous avons une chambre. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a qui n'assument pas la route. Hein. Ensuite, ici, on a les toilettes qu'on a déjà inaugurées. Qui l'a inauguré? Mec, un mot à dire à la caméra? Il les a flingués. Il les a tués, les toilettes, regarde, ça se voit. Oh, c'est des gros menteurs, j'essaie de m'opposer depuis tout à l'heure, c'est des menteurs. Lui, il est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a demandé au gars, c'est où les toilettes? Il me le guette, parce qu'avant lui dire bonjour, c'est vrai, il a dit, ça c'est où les toilettes? Non, c'est bon, alors là, c'est vrai. Avant lui dire bonjour, il a dit c'est où les toilettes? Non, non, c'est vrai, ça c'est beau, ça. Ça, c'était, ça sentait le bourbier déjà. Ça sentait le bourbier, il se bourbier. Mal de la route, je crois. Bon, je vais leur montrer les autres pièces. Viens avec moi, caméraman. Enfin, caméraman. Caméraman, mais pas vraiment caméraman, quoi. Le vrai caméraman n'est pas malheureusement n'est pas là malheureusement. Alors là on a une seconde chambre. Bon voilà. Deux petits lits. Basiques quoi. Ensuite nous arrivons au séjour. Séjour pas mal, cuisine ouverte. Tu peux montrer mon setup. J'ai pas pris le gros setup, toi. J'ai vraiment pris ancienne tour et ancien écran. Vous avez vu, on a un petit frigo, tout. Il est vide parce qu'on a... Ouais. On n'a pas encore été fait. On n'a pas encore. Et t'as fait les courses. On va dire là. La terrasse, la première terrasse, parce qu'on a 2 terrasses, les gars. Nous, on a 2 terrasses, ok. Ici, on a une terrasse, tu peux montrer. Avec un petit barbecue. Voilà. Bon, c'est pas un barbecue, c'est un grill, on va dire. Mais c'est, ça fera l'affaire. Tu peux montrer la vue sur le golf. Tout à l'heure, on a vu des. Tu sais, les caddies de GTA 5 là. Il y en avait des caddies de GTA 5 juste là-bas. Et enfin, on va montrer la dernière pièce qui est là-bas, tout au fond. C'est la petite terrasse. Oh là là. Magnifique, c'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau. On a 3 transats, en plus on est 3 pile poil. Mais bon, il y en a qui vont nous rejoindre au cours des vacations, on va dire. Voilà, c'est magnifique. On a une belle vue, hein. On a vu sur. Bah voilà, les caddies, regarde, tu peux montrer les caddies là-bas, tout au fond. Il y a les caddies de GTA 5. On va aller les squats, les gars. En tout cas, n'hésitez pas, ils peuvent mettre un like. Donc voilà, c'est tout pour la visite de l'appartement. Voilà, je vous fais une petite visite vraiment bref. Et puis on se retrouve tout de suite à la plage. Bon, les gars, on est actuellement à la plage. On vient d'arriver. Il est actuellement quelle heure? 18h à peu près. Mais la plage est encore blindée à 18h. On va aller se baigner un petit peu, les poser tranquille. On découvre, hein, c'est la première fois que je viens ici, j'ai jamais été. Et bah, du coup, je découvre un peu, on va dire, on connaît pas trop, quoi. On connaît pas trop, donc c'est des connaisseurs, je ne sais pas vous dire. Parce qu'on a encore une. Alors, cette vidéo sort, on est encore là-bas une semaine. Donc voilà un peu la zone. C'est pas mal. C'est bon. On peut dire que c'est beau. De toute façon, la mer, c'est toujours beau. T'as chaud, toi, t'as un petit peu baigné? Ah, bah oui, hein. En plus, ça a l'air hyper bonne. Dédicace. La salle. Voilà, au calme-vert. Bon, on va aller se baigner, puis on se retrouve peut-être ce soir pour voir comment ça se joue, comment on va faire. Où est-ce qu'on va manger, etc. À tout. La setup est installée actuellement, donc je peux montrer un peu le bail. On a réaménagé l'Airbnb. Voilà, c'est nous, on s'adapte. On adapte l'appartement aux besoins de youtubeurs GTA 5. Et derrière, on a Dinas. Et j'avais une annonce à Bafunch quand même. Je sais que. Tu sais qu'en ce moment, il se passe des choses. Ouais, après, il m'a dit il y a une annonce, mais il m'a pas dit c'était quoi. J'ai m'installé. C'est mieux pour toi, je pense. Installe-toi. Ou tu veux te faire debout quand je te l'annonce? Vas-y, debout, ouais. Si je tombe, je tombe. Alors, donc, j'ai reçu un mail de DJI. Parce que lui, Batfunch a cassé mon drone. Mais bon, il l'a pas fait exprès. Alors, est-ce que tu veux savoir le total des réparations quand même? Ouais, dis-moi. Alors, ouf, c'est ça. 1159. Allez.
Non, sérieusement, tu veux le vrai? Voilà, le vrai. 159 euros. Voilà, donc Badfunche, si tu veux réparer le drone, c'est 159 euros. Est-ce qu'on peut dire comment il a cassé le drone quand même? Franchement, c'est con, mais je pense que ça aurait pu arriver à tout le monde. Je l'ai levé, j'avais pas vu qu'il y avait un poteau électrique au-dessus de ma tête et... Il a failli me tuer, il y avait un poteau électrique. Et c'est des gommes. Enfin voilà, j'espère que là, c'est bon, on va pouvoir le réparer, comme ça on va pouvoir l'avoir pour l'autre voyage. Mais on n'en dit pas plus. En tout cas, la setup est installée. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici. Donc je rappelle que vous pouvez rejoindre le Discord de la team si vous voulez jouer avec nous. Nous recherchons actuellement des personnes. Si vous voulez rejoindre, voilà, au calme, on a installé. Et puis voilà, bon, je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le balcon, puis ensuite on va se quitter là-dessus. Je vais vous montrer, on a une belle terrasse. Très belle terrasse, comme vous pouvez le voir actuellement. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois à WarRobot, n'hésitez pas à télécharger le jeu pour soutenir ma chaîne. Je rappelle que vous gagnez 100 pièces d'or, 400 000 pièces d'argent. Tout ça avec le lien qui se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas en masse, go télécharger. Et vous avez aussi un robot unique. Tout ça c'est grâce à moi, c'est grâce à mon lien qui se trouve dans la description. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter, parce que nous allons pouvoir faire des combats de robots ensemble. Même si moi j'ai pas la carrure de Tyson, tu vois, j'ai plus un peu la carrure de je sais pas qui. Mais en tout cas, tu vois, ici c'est 50 muscu. Parce que oui, je fais de la muscu, mais pas avec, vous savez, à la salle. Moi, j'ai une salle spéciale pour Ficello, donc c'est une salle spéciale pour moi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à télécharger le jeu, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis au bye.